bonjour à vous et encore merci de suivre les émissions sur les chaînes de l'MBC. On est en direct dans l'émission Le Mag, émission qui passe en direct sur les chaînes de l'MBC, en direct sur Cool FM, sur les plateformes des réseaux. Et l'émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Notre invité ce matin, c'est Monsieur Eric Lereste, qui est coordonnateur Brahma Kumaris Canada. Éric Lereste, qui est aussi journaliste et réalisateur pour Radio-Canada. Éric Lereste, bonjour. Bonjour, Josiane. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Le thème aujourd'hui, euh, c'est le karma, la fortune et le destin. On va entrer dans euh, plusieurs, plusieurs euh, détails contenus pour développer euh, ce thème. Mais avant cela, euh, Eric Le Reste, on aimerait vous souhaiter la bienvenue à l'île Maurice. Merci infiniment. Que vous aimez merci C'est votre première visite. Tout à fait, première visite, merci beaucoup de euh, cette invitation, peut-être préciser aux auditeurs, téléspectateurs, ce n'est pas une émission sur l'astrologie, je ne suis pas un diseur de fortune, mais c'est un thème très intéressant, je vous remercie infiniment pour cette invitation hein, très appréciée. Alors comment vous voyez Maurice pour votre première visite, vous, vous aimez Écoutez, je cherche à m'éloigner des cartes postales parce qu'il est vrai que la plage, la mer, euh, mmh. tout l'exotisme un peu de l'île sont très attrayants et pourraient nous en mettre plein la vue. Euh, J'essaye de trouver les, les, les cachets authentiques un peu de l'île Maurice. J'ai la chance d'être avec une communauté des mm -hmm. Brahmakumaris, donc très accueillante, qui m'ont reçu dans plusieurs centres de méditation à travers le pays. Ils m'ont amené à gauche, à droite. Mm -hmm. Mais je dirais que ce que j'ai beaucoup aimé jusqu'à maintenant, c'est quand j'ai pu entrer dans des familles, aller voir des maisons, rencontrer des gens qui vivent mm -hmm. au quotidien. Mm -hmm. Ça, pour moi, ça me touche. Et même en tant que journaliste, mm -hmm. je sais où trouver mes personnages. Et comment sont les Mauriciens à première vue. Écoutez, je pourrais difficilement généraliser. J'en ai vu quelques-uns. Je suis sûr qu'il y a une mmh. grande diversité. Je suis loin d'être capable d'émettre, de, de, de faire un portrait juste de la communauté. Moi, les gens que j'ai rencontrés, euh, me paraissent une communauté très respectueuse. Euh, J'essaye de leur proposer de me tutoyer. Mm -hmm. C'est un sport perdu. Euh, mm -hmm. J'abandonne. Okay. <laughs> Au Québec, on tutoie tout de suite. Okay. Alors, à Maurice, euh, j'ai du mal. Hein? Okay. Alors, il y a le vous, c'est très respectueux. Et je ne m'en plains pas. Hein? C'est juste un, un profond respect. Peut-être, je dirais, une communauté qui me paraît un peu plus réservée que ce, que ce à quoi on est habitué euh, en Amérique du Nord, avec des. Américains bruyants. Des... Alors, là, c'est plus réservé, mais mm -hmm. très, très, très gentil. Un accueil extrêmement chaleureux. Réservé, mais très, très respectueux. Ne vous inquiétez pas, on va se tutoyer après l'émission. Ah, d'accord. Donc, euh... hein, je prends le mot. <laughs> Dites-moi, euh, vous savez, aujourd'hui, euh, Maurice euh, reste euh, euh, très proche euh, du Canada. Hein. Ah ouais. C'est un pays ami, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Mauriciens qui s'implantent au Canada. Ils vont pour travailler. Euh, il y a beaucoup de Mauriciens sur place. Alors, comment vous voyez cette, cette, le pont, le, pont, <laughs> le lien, euh, lien qu'il y a aujourd'hui entre euh, Maurice et le Canada Écoutez, je le vis au quotidien, puisque euh, bon, déjà à Montréal, j'ai plusieurs amis mauriciens. Au Canada, j'en ai aussi. Alors, ils m'ont tous écrit, évidemment, sachant que je n'ai à Maurice et vraiment, euh, ils continuent de m'écrire en me demandant constamment qu'est-ce que j'en pense. Mm -hmm. Et je me rends compte qu'il y a des liens tissés vraiment serrés. Il y a beaucoup de gens ici qui me disent ma fille est à Montréal, ma fille est à l'endroit, mm -hmm. on, on va déménager, on a déménagé. Mm -hmm. euh, alors, beaucoup, beaucoup de liens qui existent. Et je pense que ce sont des communautés qui qui ont beaucoup de points communs aussi. Tu sais, les Québécois, c'est quand même une population qui doit maintenir sa culture, être fière, euh, garder une authenticité, une identité dans un océan anglophone. Ici, vous êtes dans un océan de mer, on est une petite île qui mm -hmm. est quand même tu sais, très forte au niveau culturel, au niveau identitaire. Alors, je pense qu'il y a des points communs avec les Québécois et évidemment des ponts euh, multiples. Alors, je vais être un messager. Euh, mm -hmm. J'ai importé bien des choses de Montréal pour les Mauriciens ici. Je pense que ça va être euh, pareil à, au retour. Je vais ramener beaucoup de choses pour mes amis Mauriciens là-bas. Alors, euh, beaucoup de Mauriciens euh, ont fait le déplacement euh, pour le Canada. D'ailleurs, euh, ils auront l'occasion également de voir euh, cette émission qui est également sur les... Euh, plateforme des réseaux. Alors on les salue tous. Euh, D'accord, on va les saluer profondément. Oui, <laughs> un grand plaisir. Oui. Alors, euh, Eric Le Reste, euh, vous êtes également journaliste et réalisateur euh, pour Radio-Canada. Alors, voilà. euh, euh, un long, euh, une longue carrière. Euh, oui. Comment ça s'est passé pour vous alors, ah, écoutez, euh, je dois énormément à euh, donc la ça s'appelle donc la Société Radio-Canada. En anglais, c'est la Canadian Broadcasting Corporation. Donc c'est vraiment que le, les gens connaissent ici comme CBC. Voilà, CBC, BBC, c'est le mm -hmm. même concept, c'est le diffuseur public. Mm -hmm. Donc vraiment la télévision publique et la radio publique, l'internet, chaîne continue, chaîne mm -hmm. d'art. Euh, mm -hmm. Alors ça s'appelle Radio-Canada puisque ça a été créé dans les années 30. Quand il n'y avait pas de télévision, mais c'est resté comme ça, la radio de Radio Canada, la télévision de Radio Canada. Mmh. Moi, j'ai une carrière euh, vraiment, euh, je dirais, euh, bien admirable, euh, chanceuse. Ouais, J'essaye mmh. de trouver le bon mot, la chanceuse mmh. à tous les points de vue. J'ai pu tout faire. J'ai été reporter local, national, international, euh, journaliste, réalisateur. J'ai eu la chance de créer des émissions à partir de rien. Donc, on a créé une émission d'enquête, une émission de journalisme d'enquête qui. Aujourd'hui est peut-être la plus importante à Radio-Canada. Faire du documentaire, faire de la formation, représenter Radio-Canada à l'international dans les conférences qui rassemblaient tous les diffuseurs publics etc et et Moi, j'ai une carrière de 38 ans et euh, je viens de prendre ma retraite. Je suis timide, je ne suis pas encore capable de vraiment dire que je suis retraité. Mm -hmm. <laughs> j'ai trop mm -hmm. le, le logo Radio-Canada oui. euh, collé ça au reste, front. <laughs> ça, a, ça a resté collé. Hein. <laughs> oui, oui. Mm -hmm. ils m'ont rappelé là, pour donner un peu quelques formations. Mm -hmm. Mais non, ça ne nous quitte pas comme ça, c'est une passion. Moi, j'ai adoré le journalier, j'ai adoré la réalisation, j'adore l'image, j'adore la créativité. Mm -hmm. Mais avant tout, c'est un métier de rencontre. Euh, vous le savez, on mmh. rencontre des gens mmh. exceptionnels. On, mmh. on est aux premières loges de l'information. Mmh. Dès qu'il y a un événement, on a les meilleurs sièges. Ça, c'est très bien quand je couvrais un peu les sports. Oui, oui. Ça, c'est très utile. Oui. <laughs> on vous met au premier <laughs> siège. Mais, voilà. Mais dans l'actualité, euh, que ce soit la venue du pape, euh, que j'ai couvert plusieurs fois, on a accès. Il y a des à, événements qui restent mémorables. Des événements euh, mémorables, mmh. des personnes mémorables, mmh. des, des situations cocasses, mmh. des... Mmh. C'est riche. Alors, 38 ans, difficile à résumer, mais je, moi, je suis extrêmement satisfait de cette carrière à Radio-Canada. Pourquoi pas, dans un futur proche, revenir pour euh, euh, de la formation Partager, hein, bien euh, 38 sûr. Ah, ans quand euh... même de métier, mmh. euh, de carrière. Ouais. Euh, pour CBC, euh, cela mérite d'être partagé. Oui, surtout qu'il faut l'avouer, les médias n'ont pas toujours une bonne réputation. Mmh. Et pour moi, ce qui est important, c'est de vraiment aider les journalistes, réalisateurs, mais tous les cadres de métier euh, dans les diffuseurs publics ou autres, à comprendre notre sens d'imputabilité, de responsabilité, d'engagement social. Mmh. Et donc, le journaliste, ce n'est pas juste rapporter une nouvelle, mais c'est mmh. aussi comment on va chercher un angle, tu sais, mmh. quel angle on va privilégier plutôt qu'un autre, Comment équilibrer peut-être l'information qu'on propose au, au public. Mm -hmm. Et pour moi, ça, ça fait partie aussi de la formation journalistique euh, le choix, l'angle, l'intérêt public qu'il faut défendre à tout prix parce qu'il mm -hmm. est menacé partout à travers le monde. On pourrait euh, rester euh, sur euh, ce dossier et en parler pendant toute la journée, Éric euh, Le Reste, mais le sujet du jour, c'est euh, le karma, la fortune et le destin. Parce que vous êtes également coordonnateur de Brahma Kumaris Canada. Voilà. Alors, quelle est votre mission aujourd'hui à Maurice pour Brahma Kumaris <laughs> Alors, Je ne sais pas si j'ai une mission, j'ai peut-être un intérêt, j'ai peut-être un, un lien, peut-être moi aussi, entre ouais. Québec et Maurice. Mm -hmm. euh, les Brahma Kumaris, c'est une organisation internationale. Très particulière, même si le nom indique, oui, une prédominance des, des femmes. C'est mm -hmm. une organisation dirigée par des femmes. C'est d'ailleurs la plus grande organisation spirituelle au monde dirigée par des femmes. Et les hommes, par contre, évidemment, ils jouent un rôle majeur. Mm -hmm. euh, Moi-même, donc, j'ai la chance d'être le coordonnateur des centres Brahma Kumaris au Canada. Et euh, l'ensemble de cette communauté a vraiment comme, peut-être, mission ou vocation, mais plus comme une passion, je dirais, une volonté de partager des valeurs universelles, essentielles, fondamentales. Mm -hmm. Et je pense que l'approche est très simple de dire que le monde en ce moment vit véritablement une crise de valeurs. Mm -hmm. Que ce soit une crise économique, mm -hmm. une crise politique, une crise sociale, une crise de santé, à la base, on reste convaincu que ce qui est défaillant, ce sont des valeurs. Et c'est tellement dommage de voir aujourd'hui des politiciens, des gens d'affaires, des, des artistes, des fois promouvoir des valeurs tellement négatives, tellement violentes, tellement égoïstes. Alors, mm -hmm. Pas besoin de faire euh, mm -hmm. le bilan, regardez les nouvelles du soir, il y en a beaucoup là-dedans. Mais il faut que le monde reçoive une histoire différente. Il faut que les gens se retrouvent inspirés à être mm -hmm. meilleurs, à vivre quelque chose de meilleur. Alors je dirais que mon passage à Maurice, pour moi, ben, c'est une occasion de partager ce qui me passionne, donc oui, le journalisme, bien sûr, mais surtout au niveau spirituel. Les mmh. valeurs fondamentales de l'être qui font de nous un être meilleur, donc un être plus heureux, un être euh, plus fort, capable de résister euh, à toute la pression de la vie extérieure qui est des fois très négative, et aussi cette capacité à inspirer les autres peut-être à, à avoir des valeurs plus fortes pour être plus heureux. Parce que notre bonheur n'est que le fruit de nos valeurs personnelles, à mmh. mon avis en tout cas. Avec le reste, euh, la discussion est lancée. Euh, on parle beaucoup de valeurs, de, de crise de valeurs. Euh, D'après vous, pourquoi cela Pourquoi il y a cette crise de valeurs Pourquoi je m'arrête aux valeurs Parce qu'aujourd'hui, on voit que euh, on clame la paix dans le monde, mais il y a beaucoup de guerres aussi, mmh. beaucoup de guerres. Alors, euh, quand on parle de guerre, c'est euh, des situations de guerre. Il y a la vente des armes, de gros euh, investissements euh, de beaucoup de pays qui promouvoient la paix, mais qui en même temps euh, font la guerre. Alors, mmh. comment est-ce qu'on peut comprendre cette situation euh, de guerre aujourd'hui dans le monde entier alors que euh, l'humanité réclame la paix Mais écoutez, c'est une grande question. Je fais des efforts pour être succinct. Mmh. L'angle humain, l'angle d'actualité politique, sociale et autres est abordé abondamment dans les médias, dans les livres, euh, dans les actualités, et c'est souvent une analyse géopolitique, économique et autres. pour moi, là où ça devient intéressant, c'est d'ajouter la lentille, le prisme un peu spirituel, non mmh. de voir toute cette actualité mondiale, mais sous un angle spirituel, et de mmh. se dire, qu'est-ce qui, finalement, d'un point de vue spirituel? À dérailler dans mmh. l'histoire mmh. pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on soit aussi dominé par des valeurs matérielles, des mmh. valeurs de pouvoir, de, domina de domination, etc. Au niveau spirituel, on sent qu'il y a une énergie en nous qui est essentielle, qu'on peut appeler l'être, qu'on peut appeler l'âme, mmh. euh, qu'on peut appeler la vie, tout simplement. Si on mmh. est athée, euh, les mots, c'est beaucoup de la sémantique, très souvent. Mais cette étincelle de vie qui nous anime, Peut-être qu'on l'a perdu de vue au fil des, des millénaires. Mmh. Euh, on sait qu'on était plus religieux dans le passé. Peut-être pas une garantie de paix non plus. Les religions se sont tapées dessus euh, mmh. abondamment. Mais il y avait des valeurs qui circulaient qu'on essayait de promouvoir, de défendre. L'honnêteté, l'intégrité, la, la, la gentillesse, la, la, le partage, etc. Et on sait, moi je suis sûr que vos grands-parents, c'est un peu comme les miens, mmh. nos grands-parents étaient plus attachés à des valeurs mmh. universelles. Mmh. Et on voit que depuis quelques décennies, il y a vraiment une accélération mmh. de valeurs négatives qui prennent le dessus. Et on pourrait dire, des gens, des fois, disent qu'ils qu sont des vieilles âmes. Et moi, je l'ai été non seulement une vieille était une très, très, très vieille âme, mmh. <laughs> peut-être trop vieille. Il faudrait mmh. peut-être mmh. faire un petit ravalement de façade et puis euh, avoir un petit facelift mmh. et se rajeunir un peu. Et peut-être que l'intérieur de l'être... Sa petite étincelle, son énergie originelle mmh. est en train de vieillir. Et on perd l'essence de ce qui nous a amenés, en fait, à vivre sur Terre. Moi, je pense que c'est ça l'angle la, spirituel. Mmh. On est devenu des êtres humains, mais surtout humains. Et on a perdu un peu quel est cet être qui devrait animer l'humain. C'est mmh. ça l'angle spirituel. Et cet mmh. être, il a besoin de trois choses la paix, le bonheur, l'amour. Mmh. C'est tout. Mmh. C'est ça qui nous manque. Et vu qu'on ne nourrit pas. Cette paix, cet amour, ce bonheur, on ne sait pas comment le nourrir. Mmh. On nous apprend à parler, on nous apprend à danser, on nous apprend à jouer, à faire du sport, on nous apprend à gagner de l'argent. Mais ce qu'on nous a appris vraiment à préserver en nous cette qualité de paix, d'amour et de bonheur mmh. Et ça, qu'on lise un livre comme Le Petit Prince qui nous dit ben, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur, c'est une invitation à comprendre ce qui est essentiel. Et de dire, ben, c'est à moi de le préserver. Alors, comment on nourrit chez les jeunes aujourd'hui le respect, l'amour, la paix, le bonheur mmh. Est-ce qu'on a des cours pour ça à l'école Je ne pense pas. On ne sait même plus comment enseigner, en tout cas au Québec, on ne sait plus comment enseigner la religion. On a parlé à un moment donné de valeurs morales. Finalement, on ne sait plus. On, on marche sur les œufs, on ne sait plus de, de quoi on peut parler dans une école sans que ce soit un peu. Euh, Mmh. Tabou, finalement. Alors, moi, je pense que c'est la, la notion spirituelle qui nous montre que dans le monde, ben, une érosion de ces valeurs-là euh, fait en sorte que ce qui a pris le dessus, c'est simplement mon intérêt égoïste, pouvoir, possession, bien matériel, nom, autorité, euh, euh, toutes ces valeurs qui sont loin, loin, loin de notre spiritualité. Mmh. Alors, vous avez utilisé un mot euh, euh, l'égoïsme, euh, le matérialisme. Est-ce que vous pensez que euh, ces vocabulaires ont pris le dessus euh, sur tout ce qui est euh, valeur euh, morale Absolument. Et non seulement ils ont pris le dessus, mais aujourd'hui, euh, c'est devenu presque un peu euh, trop banalisé. Alors, dès qu'on dit, bon, oui, euh, le matérialisme a pris le dessus. C'est comme si tous les matérialistes se disaient, oui, oui, ça on le sait, on nous l'a dit, mmh. et en fait, euh, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter non plus nos valeurs matérialistes. Alors finalement, on est dans un dialogue de sourds. Moi, j'ai l'impression que si on est spirituel et qu'on dit aux gens, les valeurs matérialistes, les valeurs euh, de l'individu humain ont pris le dessus, on n'est plus écouté. Mmh. Parce que les gens ne voient pas, euh, ils ne sont pas prêts à lâcher la, 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 leur intérêt. Mmh sur ce qui les concerne au quotidien. Euh, payer son loyer, avoir une maison, l'éducation des enfants, la santé, c'est sûr, ce sont des valeurs, des besoins essentiels. Mais ça ne veut pas dire que moi, je pense qu'on peut avoir une très bonne voiture, une très bonne maison, avoir euh, une fortune physique euh, respectable sans pour autant devenir matérialiste. Mm -hmm. C'est comment on est devenu à penser dans une formule où on a oublié. L'aspect personnel intérieur, les gens nous le disent tous, ils ont besoin de silence, ils ont besoin de se replier sur eux-mêmes, être un peu plus introvertis, avoir plus besoin de moments de calme, de détente. On voit des gens qui ont des pensées accélérées, pensées négatives, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Mm -hmm. Les jeunes se tournent vers les drogues, les nations se tournent toujours vers la puissance, l'insulte, la guerre, la force. Mm -hmm. C'est vraiment un effet boule de neige. On se demande comment on va arrêter ça. Et l'approche un peu des Brahma Kumaris, c'est de se dire il faut vite rééduquer les individus à retrouver des valeurs personnelles qui leur donnent cette force intérieure. Quand moi, je suis dans un état où j'ai de l'amour à offrir aux autres, où je suis vraiment paisible, mais vraiment paisible, où j'ai un bonheur qui est stable et qui ne dépend pas de mes biens matériels ou de ce qui se passe dans le monde, j'ai quelque chose à offrir. Et là, j'ai une capacité à vivre une vie qui devient peut-être un exemple, un modèle, une inspiration. Mm -hmm. Les gens stressés, est-ce que ça nous inspire Moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire Lui, il est très stressé, j'aimerais ça être comme lui. Mm -hmm. euh, je n'ai jamais entendu ça. Mm -hmm. <laughs> Par contre, quand les gens nous voient et disent oh, Toi, tu es vraiment calme, calme. Ah, ça, ouais. comment tu fais J'aimerais ça être comme toi. Mm -hmm. Évidemment, si on est heureux, ben, les gens se, nous demandent Mais. Tu prends quelque chose ou qu'est-ce qui fait que tu heureux Je dis non, 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 c'est purement naturel, c'est spirituel. Les gens veulent le bonheur, ils veulent l'amour, ils veulent la paix. Alors peut-être qu'il faut réévaluer les valeurs qu'on enseigne à l'école, les valeurs qu'on enseigne dans les familles et les valeurs sociétaires. Le jour où les, les gouvernements accepteront peut-être de faire la politique sur la base d'un véritable respect, d'une collaboration et non pas d'une opposition. Moi, là, je croirais au miracle, le jour où je verrais ça quelque part euh, au monde. Mmh. Éric, le reste, euh, aujourd'hui, quand on parle d'inquiétude, d'angoisse, de stress, c'est le quotidien de, de nombreuses personnes. Si ce n'est euh, beaucoup de personnes aujourd'hui euh, vivent dans ce stress euh, permanent parce qu'il euh, y a beaucoup de situations compliquées. Euh, depuis euh, qu'on sort du lit le matin, euh, la journée devient rude et compliquée. Alors comment rester calme euh, Comment euh, avoir une vie euh, euh, tranquille quand on a autant de situations compliquées autour de soi Autant de problèmes et de situations problématiques Moi je dirais que ça ne commence pas seulement quand on se lève le matin. Je mmh. pense que pour la plupart des gens... Même la nuit mm -hmm. est compliquée. Il, compliqué. Il y a combien de gens prennent des somnifères Combien mm -hmm. de gens n'arrivent pas à dormir mm -hmm. Combien de gens n'ont pas une nuit reposante, sereine euh, Non, le, 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 vraiment, c'est très très grave. Les statistiques à chaque fois nous affolent quand on voit le nombre de l'augmentation de consommation d'antidépresseurs, mm -hmm. euh, le nombre d'antidépresseurs chez les enfants. Mm -hmm. Moi, ça me quand j'ai fait des reportages, des fois sur Combien les très jeunes mm -hmm. se retrouvent déjà avec des diagnostics de toutes sortes de malaises et de maladies et qui mm -hmm. augmentent chaque année et de médicaments qu'on doit surmédicamenter des jeunes de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Euh, le problème est, en fait, il euh, faut revenir à la base une fois de plus qui crée le stress, qui crée l'angoisse, c'est les pensées. Mm -hmm. On n'a absolument aucun contrôle sur nos pensées. Enfin,. Là, j'ai appris à en avoir, mais les gens en général n'ont pas le contrôle sur leurs pensée. Et peut-être, c'est pourquoi le thème que vous avez choisi est intéressant de faire le lien entre le karma, ma fortune et ma destinée. Mm -hmm. Et ça, c'est pour soulever la question est-ce qu'on a une liberté d'être ou est-ce qu'on est gouverné par une destinée sur laquelle je n'ai aucun contrôle C'est souvent les questions ça qu nous pose. la question. Est -ce est -ce que que est ça allait être la question est-ce que c'est écrit C'est écrit ou -ce ça ne l'est pas écrit? Et nous, on dit la réponse est on l'écrit tous les jours. Mm -hmm. C'est pas écrit d'avant, on l'écrit constamment dans chacune de nos actions. Parce qu'on entend dire souvent aujourd'hui que euh, ce qui se passe ou ce qui va se passer est déjà écrit. On peut penser comme ça. Oui. Et on peut aussi se dire, on est en train de l'écrire. Ok. Et quelqu'un d'habile, en voyant qu'est-ce qu'on écrit, peut savoir comment ça va devenir dans le, dans le futur. Mmh. C'est là où on a vu beaucoup des Nostradamus et autres mmh. prédire l'avenir. Et certains ont réussi à voir oui. des choses assez claires donc ils ont dit donc c'est inscrit mm -hmm. alors l'image que j'aime beaucoup pour moi c'est ceux qui jouent au billard je mm -hmm. sais pas si vous jouez au billard avec oui. les boules mm -hmm. bien il y a des logiciels scientifiques qui pourraient être euh, utilisés pour dire si je suis en position je viens pour frapper la boule puis on dirait ah elle bouge pas T'allumes l'ordinateur, il calcule le poids, ce que tu as mangé hier, mmh. combien tu en as digéré, mmh. le vent dans la pièce, l'air climatisé, euh, la, la qualité du tapis, le poids de la boule, mmh. etc. Et l'ordinateur va dire si tu, tu frappes, voilà. ben là, je te le jure, ta boule va faire ça, ça, ça et ça. Et mmh. on peut même le mettre sur écran avec une projection informatique. Mmh. Ça, c'est la destinée. Mmh. Mais si, avant de frapper, pour une raison ou une autre, je change mon karma, je change mon action. Puis mm -hmm. j'essaie, finalement, je vais bouger comme ça. Mm -hmm. ben, la destinée vient de changer. Mm -hmm. Alors, on peut prédire l'avenir en prenant pour acquis, selon les données actuelles, mm -hmm. ben, si on ne touche à rien, voilà ce qui va se passer demain. C'est prévisible. C'est ce qu'on appelle la loi du karma, action-réaction. Mm -hmm. Et elle est comprise. La science l'a étudiée très, très bien. La loi de Newton, mm -hmm. la loi de la. Là, chaque action crée une réaction égale et opposée. On connaît ça d'un point de vue physique. Mais oui. si on la transpose d'un point de vue spirituel, c'est là que ça devient fascinant. Alors, les religions ont essayé de la cerner en nous disant Tu récolteras ce que tu as semé. Mm -hmm. Très bien, de quoi tu parles Des citrouilles, des concombres des... <laughs> Non, OK, on n'est pas dans les mangues et mm -hmm. dans les fruits exotiques. On dit Je fais une action. Quelle sera la réaction Comment définir la qualité de l'action et là où la spiritualité, à mon avis, devient mais, un terrain de jeu fascinant, mm -hmm. nous on dit l'action, la qualité de l'action n'est pas définie par l'action elle-même, mais par la conscience que j'ai quand je fais l'action. Et ça, ça change tout. Mm -hmm. Donc ce n'est pas que de manger trois pommes, c'est bon, puis de manger quatre pommes, c'est pas bon. C'est qu'est-ce que j'ai dans ma conscience quand je mange une pomme qui va faire que c'est bon ou pas. Et là, je ne parle pas de la pomme d'Adam et Ève, là, ça c'est une <laughs> histoire très compliquée. Mais la conscience que j'ai quand je fais quelque chose, et je reviens donc à votre question, pourquoi les gens se stressent, pourquoi ils ont une angoisse, pourquoi ils ont une inquiétude, on a perdu le contrôle sur cette responsabilité personnelle qui est que je suis ce que je pense, est-ce que je pense définit ce que je fais, est-ce que je fais définit ce qui m'arrive. Ça va ou je répète? <laughs> oui, le schéma, est clair. Le, le schéma est, clair. est clair. Et tout simple. Mm -hmm. Je suis ce que je pense, donc mes pensées définissent mon être. Ces pensées vont définir la qualité de mes actions et les actions vont définir ce qui va m'arriver. Mm -hmm. Et quand ça m'arrive, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Oui. Bien, rien du tout. Tu as fait ce que tu avais à faire, seulement la réaction... Tu, tu récoltes ce que tu as assumé. Voilà. Ah, le petit clair. problème de la récolte... Mm -hmm. Elle n'est pas instantanée, mm -hmm. puis elle n'est pas informatisée. Ça peut beaucoup de temps, même ça des années, voire des années, des fois. Ça du temps, mm -hmm. et à la blague, je dis, ah, pas informatisé. Donc, mm -hmm. ça n'arrive pas avec une facture. Ben voilà, tu as fait telle chose il y a 18 ans, à telle heure, à tel instant, puis plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Voilà, donc ta facture, ben, tu vas souffrir mal. Mm -hmm. <laughs> il n'y a pas une facture qui nous dit d'où vient ce qu'on reçoit. Et le fruit, c'est quoi? C'est le bonheur ou la souffrance, c'est tout. Et c'est pourquoi tout être humain ne vise que deux choses, s'approcher du bonheur ou s'éloigner de la souffrance. C'est les deux seules motivations instinctives de l'être humain. Je veux plus de bonheur, je veux moins de souffrance. Mm -hmm. Et dans la spiritualité, ce qui est génial, c'est qu'on... Je, oui. je m'emballe, j'aime beaucoup Bien ce sujet-là. On dit, ben, je pense, donc j'agis, et donc je récolte. Voilà. Alors si je veux changer ma récolte, ben, je dois changer ce que je pense le, et être patient. Le, le processus doit changer. Le processus est bon, mais il faut que je change la matière première mm -hmm. et être suffisamment patient pour que mes changements de pensée vont prendre un peu de temps pour devenir un changement d'action et devenir un changement de réaction. Mm -hmm. Moi, j'ai vraiment vécu dans ma démarche spirituelle qui date de 40 ans maintenant. Mm -hmm. Au début, j'étais euh, une bombe nucléaire permanente. là. Chaque mmh. jour, pour moi, ça explosait, <laughs> pas à la télévision, mmh. ça explosait dans ma tête, mmh. quelqu'un me disait quelque chose, bang, mmh. euh, il m'arrivait quelque chose, bang, mmh. euh, je n'avais pas le contrôle. Colère, mmh. égoïsme, arrogance, dépression, négativité, j'en voulais à tout le monde, le monde allait mal, mmh. c'est de leur faute, c'est la faute de mon père, de mes mmh. profs. Mmh. Jusqu'au jour où on m'a dit, mais toi, tu fais quoi mmh. Quand j'ai commencé le Raja Yuga, donc l'enseignement des Brahma Kumaris, et qu'on m'a dit, ben là, le Raja, c'est reprendre le roi, le, le, le souverain de soi, redevenir maître de soi. Et moi, j'ai mm -hmm. tout de suite dit, yes, c'est ça que je veux, mm -hmm. parce que j'ai aucun contrôle. Moi, ma pensée, elle va, mais dans tous les sens, j'ai aucun contrôle. Je veux retrouver ce contrôle. Mais, mais la personne qui, qui est négative, ouais. la personne qui pense euh, euh, d'une façon, comme on dit, la pensée est extrêmement important importante et, 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 et comme vous venez de, de dire euh, votre exemple et l'exemple de beaucoup de personnes aujourd'hui est ce que euh, par la suite ce qu'on récolte c'est ce n'est pas euh, faire pression sur soi même et euh, aussi le mal-être euh, de soi même euh, est-ce que ça n'a pas une répercussion directe sur la personne qui vit mal est ce que c'est vrai c'est-à-dire que vous voulez dire si on ne se crée pas soi-même une pression sur soi-même Non, ce que je veux dire, c'est que la personne qui se fait la pression, oui. la personne qui a de mauvaises pensées, ah, la personne oui. qui explose, oui. est-ce que ça n'a pas une répercussion sur la personne alors que lui, il pense faire pression sur les autres Écoutez, moi, je suggérerais gentiment, avec beaucoup d'amour à tous ceux qui nous écoutent, qu'à <laughs> chaque fois qu'ils ont une pensée négative, mmh. c'est comme si on buvait une goutte de poison. Mmh. Alors. Si on a cette image qu'à chaque pensée négative, je bois un tout petit peu de poison, mmh. qui a bu le poison C'est mmh. moi. Mmh. On dit souvent, euh, moi, l'exemple qui m'a frappé le plus, c'est, et je le vis tellement, ou je l'ai vécu tellement, quelqu'un me dit quelque chose qui ne me plaît pas. Quelqu'un voilà. me dirait, bah, Eric, euh, tu as mal fait, tu n'aurais mmh. pas dû faire ça. Voilà. Puis tu es vraiment incompétent. Mmh. Okay. La personne parle. Mmh. Elle m'a dit une phrase qui a duré à peu près 30 secondes. Mmh. Moi, qu'est-ce que je vais faire la bon, personne part. Comment vous consommez ça ben Là, je commence à le répéter. Qu'est-ce qu'il m'a dit wow. qu'est-ce qu Alors là, je le, répète, okay. je le répète, je rejoue, mais 300 fois dans ma tête. Mm -hmm. J'appelle mon meilleur ami, je dis Tu sais ce qu'il m'a dit Bon, il m'a dit que j'étais incompétent, c'est incroyable. Mm -hmm. Mon meilleur ami appelle un autre ami. Et pendant des semaines, mm -hmm. et dès que je vois cette personne, dix ans plus tard, mm -hmm. oh, cette personne, elle m'a dit que j'étais incompétent. Mm -hmm. La personne m'a dit une fois une insulte. Mais mm -hmm. moi, je me la suis répétée 300 fois. Mm -hmm je me suis fait 300 fois plus de mal que la personne m'a fait de mal. Mm -hmm. Et ça, c'est là où on doit dire, OK, je vais à l'hôpital, <laughs> je vais me faire soigner. Okay. Okay. <laughs> Médecin, s'il vous plaît, oui. aidez-moi. Y a-t-il un médicament ou qu'est-ce que je fais pour ne pas laisser mon esprit partir comme ça? Mm -hmm. Et là, la bonne nouvelle, il y a des antidotes d'abord au poison et ensuite, il ben, y a des méthodes. Il y a des méthodes qui existent pour apprendre ou réapprendre à penser. Pour moi, la méditation, ce n'est qu'une seule chose, c'est réapprendre à penser. Mm -hmm. Et moi, j'apprends l'espagnol en ce moment. J'adore ça, je trouve ça fascinant. Je prends des cours de tennis. J'adore, mm -hmm. même à mon âge, m'améliorer mm -hmm. un petit peu. Mm -hmm. Je serai jamais euh, égal à Roger Federer ou mm -hmm. Rafael Nadal, mais j'aime progresser. Mm -hmm. Et pourquoi pas apprendre à mieux penser mm -hmm. euh, Moi, j'aime apprendre à mieux parler. Euh, la télévision nous apprend à, à faire attention à notre vocabulaire et autres. Réapprendre à penser, c'est ce qu'il y a de plus beau à faire dans notre vie, parce que ça nous appartient. Si je change mes pensées, c'est je change mon, mon monde. Vous avez utilisé euh, un vocabulaire, vous avez parlé de méditation. Mmh. Alors euh, c'est un mot qui revient très souvent mmh. euh, quand on parle de l'être humain, la méditation. Euh, c'est quoi pour vous la méditation Alors la méditation, c'est de découvrir. Tout ce qui est en moi sur quoi j'ai un contrôle potentiel. Donc, c'est de faire d'abord un bilan de ce qui m'habite, donc mes pensées, mes émotions, mon attitude, mon comportement, ma personnalité. Mm -hmm. Je mets ça sur la table, je dis bon, OK, on va faire un petit examen, il faut aller voir le médecin, puis on lui dit euh, bilan de santé, s'il vous plaît. Mm -hmm. Et là, le médecin va vous dire oh. Tes pensées. Mm, 80% sont pas mal inutiles, négatives et totalement dysfonctionnelles. Tes émotions, ben alors là, ça va dans tous les sens. T'en as des bonnes, t'en as des mauvaises. Pareil pour l'attitude, le comportement, la personnalité. La méditation veut dire je mets tout ça devant moi, puis je me donne comme euh, objectif de simplement remettre de l'ordre et retrouver de la santé. Si, euh, euh, moi, ça m'est arrivé des fois de faire un examen de santé, puis on me dit, bien, attention, tu as peut-être trop de, de matière grasse ou trop de sucre ou trop de ceci. Puis si on veut améliorer notre santé euh, physique, des fois, bien, il faut changer notre alimentation. Mm -hmm. C'est la même chose. La méditation, c'est de choisir une alimentation saine au niveau des pensées qui va avoir un impact direct sur mes émotions, qui va avoir un impact direct sur mon attitude, direct sur mon comportement et finalement sur ma personnalité. Ce qui fait que la paix... Ce n'est pas juste de penser en méditation, je suis paisible. Mm -hmm. C'est qu'ultimement, cette pensée-là doit s'infiltrer dans toutes les parties de mon être pour qu'un jour, les gens disent, tu es vraiment quelqu'un de paisible, toi. Mm -hmm. Et ce n'est pas juste une pensée, c'est que c'est devenu ma personnalité. Que si j'accepte dans mes pensées de ne jamais critiquer les autres, de ne pas blâmer les autres, de ne pas condamner les autres ou juger les autres, ben ça va faire de... Qu'est-ce que ça va donner dans ma personnalité ça va faire de moi quelqu'un de très tolérant, de très euh, conciliant, euh, de très agréable à côtoyer, certainement. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que je laisse aller le comportement des autres s'il est violent ou, euh, ou, ou reprochable, mais ça veut dire que mon attitude... Mm -hmm. Alors, la méditation, ce n'est pas juste j'allume un petit lampion, je récite le OM, je me mets les doigts comme ça, puis il euh, mm -hmm. y, y a un miracle, ça n'arrivera pas. Mm -hmm. C'est de réapprendre à penser, trouver des pensées qui sont fortes en valeur, donc changer mon alimentation, trouver des alimentations fortes en fer, en magnésium ou en mmh. je ne sais pas quoi, et donner à l'âme, donner à l'être, c'est celui qu'on a négligé dans l'être humain, mmh. redonner à l'être une alimentation saine pour que tout le processus intérieur, tout l'être, se transforme. Pas seulement quelques pensées, mais pensées, émotions, attitudes, comportements et personnalités. Quand on regarde autour de soi aujourd'hui, est-ce que ce que vous venez de dire euh, est fictif ou est-ce que c'est possible d'après vous Absolument possible. On a la preuve. Euh, venez faire un tour chez les Pramukhmaris. <laughs> moi, quand j'ai commencé dans les Pramukhmaris, oui. j'avais 21 ans, un petit jeune. Je râlais beaucoup, surtout un peu rebelle. Je m'entendais pas avec plein de monde. Et quand je suis allé en Inde, je voulais mmh. voir par moi-même le siège social des Brahma ça en me disant que non. Mm -hmm. Tu sais, mais quand j'ai dit à ma grand-mère qu elle, mm -hmm. elle vivait toujours à côté d'une église et c'est la meilleure copine de Jésus et de Marie et de, la, de toute la famille, elle m'a dit, mais mon petit Rick, fais attention, t'es dans une organisation indienne, il se passe beaucoup de choses en Inde. Mm -hmm. <laughs> j'ai dit, oui, mamie, oui, oui je sais. Mais elle avait raison, il y avait beaucoup d'organismes un peu à l'époque, euh, mm -hmm. la fin des hippies, les Rolls-Royce de Sri Rajneesh et tout ça. Mais je me dis, moi, je vais aller voir en Inde. Je vais bien voir si ce qu'ils enseignent est fictif ou réel. Est-ce que oui. c'est possible de vivre ce qu'ils sont en train de m'enseigner qui me paraissait quand même bizarre et passionnant et intrigant. Alors, ils appelaient ça l'Université spirituelle mondiale des Brahma Kumaris. Nous, à Montréal, à l'époque, on était trois. Donc, je me dis, ben, c'est une petite université. <laughs> quand je suis arrivé en Inde, c'est des milliers de personnes. Tout le monde avait son sac avec des cahiers de notes. On allait dans des classes, on prenait des notes, on étudiait. Je OK, c'est vraiment une université. Là. Mmh. Et moi, j'ai vu les trois dirigeantes, c'est pour ça que c'était dirigé par des femmes, les trois dirigeantes principales que j'ai connues à cette époque-là, à 21 ans, moi, j'ai vu ces femmes, puis je me suis dit, mais voyons, c'est ça, voilà, ça c'est le modèle. Et je suis vraiment tombé amoureux de ces femmes-là, euh, dans le sens euh, spirituel du terme, parce que j'ai vu en elles l'expression des valeurs qu'on voudrait tous avoir. Mmh. Moi, j'ai vu des femmes... Mais d'une générosité, d'un amour, d'une beauté, d'une pureté, euh, d'une douceur, d'une paix. Disais, mais c'est une extraterrestre, ce n'est pas vrai, elle est tombée d'une <laughs> planète Vénus où... mm -hmm. Et Je dit, Non, elle a étudié, elle, depuis 60 ans. Euh, sa vie est comme ça. Et moi, au début, quand ils, y, quand ils parlaient du fondateur des Brahma Kumaris comme étant un homme exceptionnel, je me disais pff, Elles sont un peu séduites, elles exagèrent. Aujourd'hui, je fais la même chose en parlant de ces femmes-là que moi j'ai connues, mmh. avec qui j'ai vécu. Je les ai reçues à Montréal, au Canada, mmh. je, les ai, je les ai vues en Inde, je ne sais pas combien de fois. Elles nous recevaient dans leur chambre, toutes simples. Elles étaient l'incarnation de ce qu'elles enseignaient. Et mmh. pour moi, ben, ce n'est pas fictif, c'est la vérité, c'est ça. Et aujourd'hui, je vois, 40 ans plus tard, des milliers, des milliers, des milliers de personnes. J'ai fait le tour des centres ici à Maurice. Bah ben, oui, ce sont des familles, des gens d'une intention, euh, je dirais, très noble, d'être de, des bonnes personnes, d'aider tout le monde. Oui, on a tous encore nos petits euh, nos petits volcans qui explosent de temps en temps, puis on a une de nos aînés qui va venir pour nous nous aider à se calmer, mais c'est pas fictif du tout. Ça se voit, et, et moi, je le vis. Je l'ai vécu dans ma vie. Mes soeurs, qui m'ont connu depuis longtemps, <laughs> me disent mm. « T'es bien, Eric, continue, continue. <laughs> Reviens pas comme t'étais avant. T'es bien mm. comme ça. » Éric reste euh, coordonnateur euh, Brahma Kumaris, alors euh, pour revenir à notre thème du jour, euh, le karma, mmh. euh, la fortune, le destin, euh, on pourrait dire que c'est ce, que un petit peu les, les valeurs aujourd'hui qui sont prisées. Les gens, quand on parle de destin par exemple, les gens veulent savoir qu'est-ce qui va arriver il euh, y a beaucoup de personnes qui vont voir des personnes qui arrivent à lire le destin, à prédire le destin, euh, parce qu'ils veulent savoir ce qui va leur arriver à eux, à leurs proches, à, à leur famille. Euh... La fortune, un autre sujet, les gens veulent gagner, veulent avoir, moins donner probablement, mais euh, allez voir aujourd'hui combien de personnes qui jouent pour gagner de l'argent. Euh... Quel est ce monde qu'on est en train euh, de vivre aujourd'hui où les gens euh, veulent la fortune Est-ce que c'est une bonne chose On a l'impression que oui, peut-être que les, les, les enfants, les jeunes de demain se diront, ben jouer, gagner au jeu, c'est tout à fait normal. Alors, euh, alors qu'on parle de valeur, on a parlé beaucoup de valeur, de méditation dans cette émission. Alors, euh, l'avenir n'est pas gagné. Si on a des fortunes ou une fortune intérieure spirituelle forte, mm -hmm. on ne va pas courir après l'argent. L'argent mm -hmm. va venir à nous naturellement, exactement de manière proportionnelle à nos besoins. Ça, c'est une loi spirituelle. Mm -hmm. Plus je cours après quelque chose, moins je l'obtiens. Mm -hmm. Plus j'ai cette chose intérieure, plus elle me parvient de façon naturelle. C'est une loi naturelle. La fortune, le karma et le destin, en fait, pour moi, c'est une structure, j'aime bien ce thème parce que c'est comme une structure d'investissement spirituel. Mm -hmm. Et l'idée, c'est euh, comment bâtir mon avenir. Nous, on nous enseigne, d'un point de vue physique, c'est important d'avoir une maison, d'avoir euh, une structure pour accueillir une famille, pour l'avenir, mm -hmm. euh, investir, pour avoir une retraite, etc. D'un point de vue extérieur, on comprend la mécanique. Mais d'un point de vue intérieur, c'est la même chose. Toute ma vie intérieure, je peux la passer en dépensant mon énergie sans économiser, mmh. puis je vais me retrouvais euh, euh, comme la cigale et la fourmi à la fin de l'histoire, euh, pas mal dépourvue. Hein. Mmh. Mmh. <laughs> ou j'apprends à investir en moi, pas ma conscience, mais donc mon karma, en faisant des actions très particulières, mmh. pour que ma fortune augmente. Mais c'est pas une fortune. Là, on parle pas d'argent ou de roupies. On parle d'une fortune qui est un peu comme ce que les gens perçoivent comme la chance. Euh, Quelqu'un va vous offrir un poste fabuleux, vous t'as ah, de la chance, on t'a offert un poste comme ça. Pas de la chance. Le karma dit, si quelque chose se produit, il y a une cause quelque part. Donc il n'y a pas de chance, il n'y a pas de hasard. Tout vient du fruit que j'ai semé dans une forme de graine au préalable. Donc l'investissement personnel, je le fais par mon karma, je le vis. Ensuite, par la fortune tout au long de ma vie, mais surtout, j'écris mon destin. Et là où je pourrais mettre peut-être euh, mon bémol sur la question des gens qui voient l'avenir, moi, j'ai jamais accepté que quelqu'un me dise Ah, je vois pour toi telle chose dans l'avenir. Je dis ben, Toi, tu vois ça, mm -hmm. mais moi, je ne veux pas me limiter à ce que tu vois, mm -hmm. parce que je veux pas que mon avenir soit ce que tu vois. Toi, tu vois une projection actuelle possible, ben, moi, je veux la changer. Et donc, je ne veux pas, je lis pas mon horoscope tous les jours, je ne lis jamais mm -hmm. d'ailleurs. Et ça ne m'intéresse pas de savoir que quelqu'un me dise, toi, je te vois dans dix ans avec une grosse maison, un toit en or et puis des cocotiers devant chez toi, puis, by the way, c'est à Maurice. Mm -hmm. Merci, c'est très gentil, mais non, mm -hmm. je ne ferai pas euh, de, de choix de vie en conséquence, euh, conséquemment à cette vision. Je préfère mm -hmm. me dire, j'écris mon destin. Et chaque jour, on veut apprendre à améliorer la qualité de notre action. Que ce soit à la maison, avec ses parents, avec ses enfants, avec ses conjoints et conjointes, on a le choix. On peut servir à manger, aller, mange, et puis, euh, tu vite, on est pressé. Mm. Ou, cest dire oui, on est pressé. Mais la qualité de mon action, c'est sacré. Je suis ici sur Terre, pas pour me presser, puis stresser, puis mourir tendu. On est mm. venu sur Terre pour s'amuser. C'est un, un tout inclus. <laughs> Maurice, mm. c'est bien. La planète Terre, c'est quand même un gros tout inclus. Et on est venu sur Terre pour dire, ben, on, a, on a un gros, gros ensemble de, de choix à faire, de vie à vivre, profitons-en et redonnons à chaque moment le caractère sacré du mm -hmm. moment. Nourrir sa famille, c'est sacré. Manger, c'est sacré. Aujourd'hui, les gens mangent en regardant la télé, ça mange vite, souvent c'est de la malbouffe. Et oh, oh, revenons à des valeurs qu'on nous avait enseignées. Mangeons mm -hmm. en famille. Moi, j'ai fait un reportage sur l'obésité chez les jeunes. Mm -hmm. Et on voulait savoir... Pourquoi il y a une explosion d'obésité chez les jeunes Et étrangement, le reportage que j'ai fait portait sur un retour aux valeurs de base. Et ils ont prouvé par des études scientifiques que des gens qui revenaient à des valeurs fondamentales, surtout le souper en famille, mm -hmm. de remettre au cœur du programme le souper de famille, le lunch de famille quand on peut les week-ends, manger en famille, pas de télévision, parlons entre, entre nous, faisons des choses en famille. Tout ce qui était de revenir à des valeurs familiales fortes a créé une baisse de l'obésité chez les jeunes. C'était directement relié. Les gens disaient Wow L'obésité n'était pas... Et j'avais donc des pédiatres, des experts qui disaient dans le mm -hmm. reportage, l'obésité n'est pas le problème du sucre et de l'activité. L'obésité est le fruit d'un manque de valeur. Ça, c'était comme OK, une autre dimension à ajouter. Évidemment, il y a des aspects complémentaires génétiques qu'on ne peut pas nier ou physique, évidemment, si tu manges de la malbouffe, ça, il y aura des conséquences. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que si on revient à des valeurs fondamentales, mes actions retrouvent un caractère sacré. Prenons le temps avant d'agir, des fois juste de faire une pause d'une minute. On fait des minutes de silence, mais ça ne sert à rien, les gens ne savent pas se mettre en silence. Ils attendent 30 secondes, une minute, que ça passe, puis retournent. Nous, on apprend dans la méditation à vraiment faire ce qu'on appelle des traffic control, des contrôles de trafic de pensée. Et régulièrement dans la journée, les yogis, ce qu'on aime faire, c'est s'asseoir juste quelques minutes. Juste comme on fait avec la voiture, calmons-nous, euh, faisons de l'essence, arrêtons-nous, un... arrêtons de conduire ces quelques minutes, se reposer. Toutes les quelques heures, on s'arrête, on fait le calme, on remet les pensées plus positives, puis là, on reprend. Avant de manger, avant, on faisait des prières. Ben pourquoi Pour redonner au manger le sacré. Aujourd'hui, c'est du plastique, c'est. Est quand on est loin là, de ce que la nature nous a offert de la nourriture, mangeons-la avec respect. Mm -hmm. On a oublié ça. Euh, en se rencontrant, passons du temps ensemble, euh, en rehaussant en la qualité des valeurs respect, amour, accueil. On a perdu un peu tout ça. Alors, si on mettait ça de l'avant, la qualité du karma change. Et c'est ça qui a un impact direct sur notre fortune. Et c'est ça qui fait qu'après, ce que j'allais dire tout à l'heure, moi, quand j'ai commencé à investir en moi, ça a pris des années. À un moment donné, dans ma vie, je recevais des moments de bonheur. Je me disais, ben, au lieu de dire qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cette souffrance, je me suis mis à dire mais qu'est-ce que j'ai fait pour que je ressente ce bonheur qui a l'air de venir de nulle part. Je me mm -hmm. sentais tout à coup heureux. Je me levais le matin, wow, je suis super heureux. Ben, ce n'était pas le cas quand j'étais jeune. Mm -hmm. Et plus j'allais, plus je voyais que cette fortune, donc cette chance, ce bien-être que ça, le, la fortune, c'est un bien-être spirituel augmentaient. Des gens haïssables, je me mettais à les aimer. Je me disais, c'est pas normal. <laughs> Mais mm -hmm. ils étaient haïssables, et je disais, non, je les aime bien. Je n'ai pas autre chose à offrir qu'un sentiment bienveillant. Et je me suis dit, bah, cette fortune qui augmente, c'est elle qui est en train de créer mon destin. Et le destin, c'est en fait comme les fruits à très long terme qu'on peut plus effacer. Ils sont tellement bons mm -hmm. qu'on pourra jamais, même en changeant nos actions, on pourra pas les enlever. Donc, eux, ils deviennent le destin. Ils deviennent ineffaçables. La fortune, les investissements, on les perd, on les gagne sans arrêt. Le karma, il change à la seconde près. Mais le destin, il est fixe parce que c'est un investissement à très long terme. Des actions tellement fortes que j'ai créées, là, je ne peux pas les changer. Elles sont destinées à se manifester à un moment donné. Est-ce que, selon vous, chaque personne devrait travailler sur soi-même? Ah ben, avec grand plaisir, je vous encourage tous à le faire. Mm -hmm. C'est gratuit. <laughs> ça demande un peu d'effort, mais mm -hmm. absolument. Puis c'est juste un investissement euh, qu'on ne peut pas regretter. C'est comme de dire est-ce que tout le monde devrait se préoccuper de son alimentation J'espère je ben, que oui, parce que c'est eux qui vont en subir les conséquences. Le bonheur n'est que le fruit ultime de ce que j'ai pensé, de ce que j'ai fait et de comment j'ai agi. C'est ça qui définit mon bonheur. Mm -hmm. Pas la société, pas la maladie ou la santé. Pas les gouvernements, rien d'autre. On peut être pauvre, malade euh, et perdre son emploi et malgré tout rester heureux. Mm -hmm. Si on a choisi que c'est ça la posture de l'être que j'ai envie de vivre sur cette planète Terre, peu importe ce qui se passe. Facile à dire, mais bon, on travaille dessus. Alors... On va terminer l'émission dans quelques minutes. Le Déjà? temps passe tellement <laughs> vite. Alors, euh... Eric, le reste. Euh... Quel est le mot de la fin Qu'est-ce que vous avez à dire à tous ceux qui nous suivent dans cette émission Écoutez, peut-être qu'avant de se changer, avant de passer à la méditation, avant de faire tout ça, c'est juste de prendre le temps de réévaluer c'est quoi mon intention de vie mm -hmm. Ça paraît un peu bête et cliché, mais juste de dire c'est quoi mon intention de vie mm -hmm. Et de réaliser qu'on a en nous un potentiel énorme et qu'on peut souvent se limiter à... Euh, je souffre parce que ma belle-mère fait ceci ou ma mère est comme ça ou mon père est comme si ou j'ai perdu la maison ou je n'ai pas eu l'héritage. Ou... Tous les gens me racontent tous les jours des tonnes de scénarios pour justifier leur souffrance puis me dire quoi faire. Je me mmh. réponds, c'est toujours la même, c'est toujours la même. C'est tout est en moi. J'ai en moi le plein potentiel. On parle de pleine conscience souvent dans la méditation. Moi, j'aime plutôt le plein potentiel, c'est-à-dire j'ai en moi les ingrédients très simples. Pour créer la meilleure vie au monde, indépendamment de ce qui va m'arriver. Mmh. Et si je choisis pas, si j'ai pas une intention de vie euh, qui veut m'amener vers un état de bonheur que je crée moi-même, ben oui, on va subir tout ce qui va nous arriver. Mais si je fais un choix de vie, de me dire non, et moi, ça a été ça, à 21 ans, ma démarche, de me dire ce Raja, je le veux. Moi, je veux redevenir souverain parce que je suis fatigué d'être victime. Je suis fatigué de souffrir de mes pensées et de ce que les autres disent et pensent. Et je veux reprendre le contrôle sur ma propre vie. Et ça, pour moi, il n'y a pas de plus belle initiative de vie que de dire je vais me reprendre en main. Euh, moi, quand j'ai commencé la méditation, en parallèle, j'ai aussi repris le contrôle de ma santé. J'ai changé mon régime alimentaire, j'ai beaucoup baissé mm -hmm. <laughs> certains abus que jeune, j'aimais beaucoup faire. Euh, je jouais au sport, puis je crachais mes poumons parce que je fumais un paquet par jour. À l'eau, il y a des choix de vie à faire. Mmh. Et en changeant mon style de vie, il n'y a pas de plus grand bonheur que de voir son corps puis de se dire, ouais j'en prends soin. ça mmh. bah, C'est précieux, ça, j'en ai qu'un, là. Mmh. Et je ne peux pas le changer. Pas, on ne va pas chez Ikea dans les pièces de remplacement puis euh, remplacer nos pièces de corps. On n'en a qu'un. Bah, Prenons-en soin. Et l'âme c'est ça la, 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 la partie vivante de l'être qu'on peut appeler l'âme, la vie c'est un cadeau de la vie qui est précieux mmh. et si je m'en occupe pas la vie va me filer entre les doigts, je vais tout perdre puis je vais mourir en disant ah oh, si j'avais su si c'était à refaire je ferais autre chose, alors vivons bien avec tout le luxe toute la, mat la, la matière qui nous est offerte, vivons abondamment il n'y a aucun problème, mais moi je dirais prenons le temps d'évaluer c'est quoi mon intention de vie et mmh. si le bonheur surgit quelque part dans ma réflexion, ben à ce moment-là, je deviens responsable de mon petit bonheur. C'est une chanson de, Léo Ferré, de, de Félix Leclerc, notre Exactement. poète mmh. québécois. Ce petit bonheur que je ramasse dans la rue, mmh. que j'adopte, mais c'est ça. Moi, j'en suis responsable de ce, ce petit bonheur-là. On est d'accord euh, qu'on est sur Terre euh, pour s'amuser, s'amuser ouais. sainement. Alors, euh, Eric Le Reste, coordonnateur Brahma Kumaris Canada. Vous êtes également journaliste et réalisateur Radio-Canada. Merci beaucoup et passez de très bons mois à maurices Ça m'a que vous remercie. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Merci et bonne journée à vous. Au revoir.